Comme il est beau, comme il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble et d'être réunis en ce sabbat matin, jour de joie, jour de fête. Bénissons donc le Seigneur, nous tous, serviteurs du Seigneur, qui nous tenons dans la maison du Seigneur. Élevons nos mains vers le sanctuaire et bénissons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse son Église, lui qui a fait le ciel et la terre. Acclamons notre magnifique Seigneur. Magnifique. Je vais vous raconter une histoire. Alors, une histoire pour les enfants. Tout à l'heure, là, c'est pour les enfants. Donc, nous sommes, dont je suis en tout cas. Alors, notre histoire se déroule un lundi. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que ce lundi-là, pour une personne, il vient à la fin d'une nuit qui a été plutôt difficile. Et le matin,
fantastique, à la fois terrible. Terrible parce que la nuit a été longue, fatigante, et ça a fait mal. Et en même temps fantastique, parce qu'il y a eu un accouchement. Et celles qui sont passées par là connaissent bien ces deux sentiments. Et voilà, 8 heures du matin, une fille apparaît. Ça y est, délivrance, la famille est heureuse, tout va bien. Non, tout ne va pas tout à fait bien. Parce qu'un tout petit peu plus loin, à 663 km, à 3 km près, on était mal, à 663 km, une autre femme commence non pas une nuit difficile, mais une journée qui s'annonce difficile. Même cause, même effet. Et de nouveau, une journée qui va être longue, avec l'attente, et en même temps, il faut gérer. Et à 22 heures, ça y est, libérée, délivrée, c'est une fille aussi, c'était la journée des filles. Et cette histoire, ce lundi, c'était un 30 avril. Tiens donc, ça tilt chez quelques-uns. Tant bien, c'est aujourd'hui aussi. Sauf qu'on était en 2001. Et là, il y en a quelques-uns, 2001, 2016, 2016, 2001, je déduis, je prends la racine carrée, tout ça. Oui, on arrive normalement à peu près à 15. Parce que ce jour-là, la naissance à 8 heures, les parents ont décidé, comment on va l'appeler, plusieurs possibilités s'offraient, allez, et si on disait Timéa? Oui, d'accord, une fois qu'on le dit ici à Collonges, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, on est en Slovaquie. Ah non, on est en Roumanie. Et à 22 heures, on est passé en Slovaquie. Et là, ils décident de l'appeler Myriam. Parce que Timéa et Myriam sont nés un 30 avril. Et aujourd'hui, elles ont choisi, décidé de renaître un 30 avril. Et automatiquement, ça me fait penser à un texte. Et il y a un texte qui s'impose que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et j'aimerais partager les versets 3 à 5. Jean 3, 3 à 5. Donc, il est question d'un homme, un certain Nicodème, qui, la nuit, sans qu'on le repère de trop, qu'on ne le voit pas, le gars qui assume complètement, il va voir Jésus et il lui pose des questions sur ses miracles. Et Jésus lui dit au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Nicodème joue un peu l'idiot de service, mais comment est-ce qu'on va faire pour vivre à nouveau, recommencer? Ça ne va pas être simple. Ou alors, il prend Jésus pour un idiot. Mais attends, tu vois ce que tu demandes? Tu es sûr que tu n'es pas un peu déjà fatigué dans ton ministère? Timéa et Myriam, il y a 15 ans, elles n'ont rien demandé, rien choisi. Ni dans quelle famille arriver, ni quand, ni où. Elles n'ont rien choisi. Par contre, aujourd'hui, c'est l'inverse. Elles ont choisi. Choisi de renaître ici, à Collonges-sous-Salève, dans une église, à savoir dans un lieu qui est le symbole de la présence de Dieu. Elles ont choisi la famille. C'est un luxe fantastique, je choisis ma famille. Et elles ont choisi une famille chrétienne, adventiste du septième jour. Et c'est leur choix que d'intégrer cette famille. Elles ont aussi donc choisi le camp, on l'a dit, le jour de leurs 15 ans, leur anniversaire. Bon anniversaire les filles.
l'occasion de renaître. La première fois, elles sont nées de l'invention de la création de Dieu. C'est lui qui a mis en place ce système fabuleux qui permet aux humains de procréer. Donc, elles sont nées de l'invention de Dieu et de l'amour de deux êtres. Et aujourd'hui, elles choisissent de renaître de nouveau de ce schéma qui est l'invention de Dieu, qui est ce baptême, ce symbole magnifique, et aussi de cet amour qu'elles ont noué au travers de la rencontre qu'elles ont eue avec Jésus. Et donc, on se retrouve sur ce même schéma 15 ans après. Ce même schéma. Sauf que, cette fois, c'est un choix. Et très symboliquement, il y a 15 ans, elles sont sorties d'un certain liquide pour apparaître et pousser un cri. Ça, les cris, elles l'ont gardé. C'est clair. Et aujourd'hui, elles choisissent de retourner dans un élément liquide pour pouvoir mieux en ressortir, pour pouvoir revivre. Et ce qui me plaît dans la démarche d'aujourd'hui aussi, c'est que si Nicodème a fait tout ça de nuit, elles assument. C'est le jour, devant nous tous, même sur Internet. Alors là, donc les filles, merci de nous avoir conviés à votre anniversaire, de vos 15 ans, à votre anniversaire de cette renaissance et de le faire en plein jour avec nous tous. Et que cela, ça puisse aussi nous inspirer et nous poser la question, où est-ce que j'en suis de ma renaissance? Où est-ce que j'en suis de mon choix de Dieu ou de pas Dieu? On a tous une date d'anniversaire et on est content d'avoir des cadeaux ce jour-là. Des fois, on est moins content parce qu'il y a une année de plus, mais c'est comme ça. Est-ce que je fête ma renaissance? Est-ce que je fête mon baptême? Pour vous, ce sera simple, ce sera un package. Est-ce que nous, cette renaissance se fait tout aussi fortement, tout aussi puissamment que des fois nous fêtons nos anniversaires? Je nous le souhaite. Et si je n'ai pas encore fait ce pas, ce choix, il y a largement le temps de prendre cette direction et de se préparer à revivre, à renaître au travers de ce symbole magnifique qu'est ce baptême. Merci les filles. Me revoilà. Alors maintenant, je vais inviter Timéa et Myriam à venir me rejoindre afin de leur donner la possibilité de partager brièvement à la fois un temps de partage très court, pas une biographie, rassurez-vous, mais un partage sur les éléments ou l'élément clé qui a fait qu'aujourd'hui, elles ont décidé de renaître, ainsi que de partager avec vous un résumé de leur conviction qui a basé ce choix. Bonjour. Alors, avant de faire mon témoignage, j'aimerais juste dire à Timéa, joyeux anniversaire. Mais merci de m'accompagner en ce jour et merci de m'accompagner tous les jours ordinaires aussi. Alors,
J'ai eu une très très grande envie de me baptiser vers le début du mois d'octobre et je n'imaginais pas du tout le faire sans Timéa, donc on est là toutes les deux. Comme beaucoup le savent, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un papa pasteur. Donc Dieu était toujours présent, aller à l'église, prier, chanter, étaient des habitudes. Quand ma grande sœur Petra s'est fait baptiser, ça m'avait beaucoup touchée, j'avais pris ma décision, moi aussi je veux me baptiser. Vers l'âge de mes 11 ans, je me posais quand même la question si Dieu existe. Et je suis en regardant autour de moi, si tous ces gens sont là, si tous ces gens croient, c'est qu'il existe. Alors ma foi a grandi et mûri au fil des jours, des mois, des années. Cet été au Camporé, il y avait une possibilité que je m'y baptise, mais je ne me sentais pas prête. En regardant ce baptême, ça m'avait énormément touchée. Je voulais vivre ça aussi, être avec Dieu. Donc cette année, j'ai fait des études bibliques et je voulais plus attendre de me baptiser. Pour moi, le baptême, c'est un moment exceptionnel dans lequel je m'engage sur un chemin, le chemin que je parcours déjà et dans lequel je souhaite continuer. Jésus m'aime et m'a toujours aimé, malgré mes fautes. Je ne lui ai pas toujours fait confiance, mais lui m'a toujours pardonné et aidé. Chaque fois que j'ai un problème, je sens qu'il est vraiment à m'écouter et je peux m'appuyer sur lui. Je veux lui montrer qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de lui faire confiance pour toute ma vie. Ce n'est pas un Dieu qui est là quand ça va et absent quand ça ne va pas. J'ai envie de vivre à ses côtés et surtout, j'aimerais illuminer le monde autour de moi en marchant dans sa voie. Merci. On va. Bonjour. Alors, je vais essayer de ne pas te pleurer. En fait, je suis tellement heureuse d'être ici que ça va être impossible. Je suis heureuse de partager ce moment avec Myriam. Je suis née dans une famille adventiste, des pasteurs, et j'ai eu de la chance. J'ai pas toujours voulu me faire baptiser parce que je comprenais pas le sens, je trouvais pas ça. Voilà. Mais c'est surtout l'ambiance de cette église, le fait que vous soyez tous là chaque samedi, le fait qu'il y ait des musiciens exceptionnels qui jouent, et le fait que c'est chaleureux. Je voulais vous remercier pour tout ça, parce que ça a beaucoup contribué dans mon parcours avec Dieu. Alors, je pense qu'un témoignage, ça peut être fait avec autre chose que des paroles, avec un sourire, avec une chanson, juste un regard. Alors, j'aimerais juste remercier Dieu pour tout ça. Nous croyons en un Dieu unique qui a inspiré la Bible, notre référence de vie. Nous croyons qu'il est le Père Tout-Puissant qui a créé ce monde. Nous croyons qu'il est Jésus, venu sur terre, mort pour nous, et qu'il revient bientôt pour que nous soyons réunis pour toujours. Nous croyons qu'il est Saint-Esprit, force et puissance en nous. Nous croyons qu'il nous donne un rendez-vous particulier chaque samedi. Rendez-vous de rencontres, de services et de louanges.
Nous nous engageons à avoir la vie la plus cohérente possible avec ce que Dieu souhaite. Nous nous engageons dans l'église adventiste de Collonges-sous-Salève où nous voulons nous investir par nos dons, nos moyens et nos capacités. Nous nous engageons aujourd'hui pour Dieu et devant vous tous par le baptême, geste symbolique de nos convictions et de notre engagement. Merci. Vous voulez en connaître plus sur leur parcours? Allez les voir. Sur leurs convictions? Allez les voir. Mais en tout cas, en attendant, nous allons vivre ce moment de baptême. Et je vais inviter, si des enfants souhaitent s'approcher pour mieux voir, de le faire, mais vous resterez d'un côté et de l'autre du baptistère, et de toute façon, des personnes sont prévues pour canaliser cela, pour éviter les baptêmes intempestifs. Chères jumelles spirituelles, cher Timéa, chère Myriam, nous sommes très touchés par votre confession de la foi, par l'amour que vous avez déjà installé dans votre cœur, dans votre fait. Et merci beaucoup pour ce privilège parce qu'on croit qu'aujourd'hui, Dieu est entre nous et il voudrait descendre entre vous. Et pour cela, comme les serviteurs de Dieu, comme les pasteurs, nous voulons vous baptiser. Venez. Nous voulons vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je reviens au cœur de la louange, c'est le chant que Timéa a choisi pour son baptême.
la curiosité de savoir qui est cet homme, qui est ce Jésus. Donc Nicodème est venu pendant la nuit. Et la nuit était en lui. Il avait ses préjugés. Il avait son avis à lui. Et Jésus, sans hésitation, lui a exprimé la nouvelle naissance en disant, « Personne ne peut pas voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » C'est un peu choquant pour un intellectuel. Oui, Jésus a la capacité d'attirer notre curiosité, notre intérêt de le connaître. Et Jésus a 1000 possibilités de nous toucher par ses paroles. Essaye de le poser tes questions, essaye de le poser tes demandes. Essaye d'appliquer, essaye de montrer ta curiosité, tes propres intérêts adéquats, authentiques, et tu verras. N'hésite pas, et tu seras étonné. Et même toi, tu pourras savourer des expériences avec lui. Ça suffit seulement d'essayer. Amen. Qui est cet homme? Qui est cet homme, se demandait Nicodème. Cet homme, c'est le Seigneur. Il est Seigneur, c'est le chant que Myriam a choisi. En première année de théologie, nous étudions la Sainte Cène. Cela concerne le pain, le vin et le lavement des pieds. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 13, nous y découvrons Jésus attablé avec ses disciples pendant la fête de la Pâque. Il s'interrompt, enlève ses vêtements, puis il commence à laver les pieds de ses disciples. Mais une discussion s'engage. Pierre ne veut pas que son maître lui lave les pieds.
Ce n'est pas le travail d'un maître, mais d'un esclave. Et Jésus insiste avec des mots interpellants au verset 8. Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Un peu plus loin, au verset 12, Jésus leur pose cette question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Cette question, elle est toujours d'actualité. Et la réponse, elle est importante. Surtout si nous sommes appelés à répéter ces gestes. Lorsque nous participons à ce moment, il est bon de savoir pourquoi nous le faisons et quelle est l'action que nous répétons. Après l'étude de plusieurs textes, lors de ce semestre à la faculté, j'ai constaté que l'idée que j'en avais avait évolué. Je pensais que c'était un souvenir du baptême, mais ce n'est pas l'idée principale qu'il faut en garder. L'étude du vocabulaire utilisée par Jean n'a pas de lien direct avec le baptême, mais bien que l'idée de son souvenir ne soit pas en rejetée, ce n'est pas l'objectif premier du lavement des pieds. Un autre symbole que je lui attribuais était lié à l'humilité et à un signe du souvenir de notre Seigneur qui se fit serviteur pour nous. Mais encore une fois, les textes ont démontré que le Christ, en lavant les pieds de ses disciples, ne s'est pas fait serviteur, mais qu'il était le Seigneur en action, ce qu'on voit bien au verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. » Christ n'était pas le serviteur, mais notre Maître rempli d'amour pour nous. Et c'est là le point important. C'est l'esprit dans lequel Jésus a fait ce geste lorsque nous participons au lavement des pieds. C'est avant tout un geste d'amour et nous sommes amenés à le vivre ensemble. Un point important encore. Ce service est ouvert à tous et chacun est libre d'y participer. À présent, pour ceux qui le désirent, je vous invite à vous rendre dans les différentes salles réservées pour vous laver les pieds. Pour les femmes, vous pouvez vous rendre dans la salle des tisons en bas, via le hall d'entrée, côté Genève. Les hommes sont invités à se rendre dans la salle des explos, par le fond de la salle ici, et ce sera la pièce qui est du côté Annecy. Les couples, eux, peuvent se rendre dans la salle des bourgeons, aussi par la porte ici, et ce sera la salle qui est côté Salève. Et pour les personnes à mobilité réduite, il y a un endroit qui leur est réservé dans la librairie. Pendant ce temps, les enfants peuvent rester sur l'estrade pour l'histoire qui leur sera racontée par Isabelle et qui durera le temps nécessaire au lavement des pieds. Je vous remercie pour votre attention. Asseyez-vous plutôt là en bas, comme ça vous me voyez bien. Voilà, installez-vous. Attendez, comment tu t'appelles? Bien, on va te faire une place. Vous faites une place à Rebecca ici? Regardez, voilà. Tout le monde est bien installé? Oui? Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va raconter une histoire pour vous, pour les grands qui sont dans la salle aussi, mais c'est d'abord pour vous parce que c'est une histoire spéciale d'un ami à moi qui est très spécial. Vous voulez que je vous la raconte? C'est l'histoire de Punchinello. Punchinello est un petit peu particulier parce que c'est pas un enfant, c'est pas un adulte. Punchinello, c'est une marionnette. Et elle vit au pays des marionnettes, dans un village de marionnettes, rempli de marionnettes. Et ces marionnettes, elles ne font rien de leur journée. Elles ont toute une boîte, comme ça,
Et dans leur boîte, il y a des autocollants. Alors, je vais vous montrer quand même. Ils ont des petits autocollants qui se collent les uns sur les autres. Ils se disent bonjour et puis ils se collent des autocollants sur la tête, sur le bras, sur les pieds, partout, partout, partout. Alors, il y a des autocollants de deux sortes. Les premiers autocollants qu'il y a, ils sont comme ça. Est-ce que vous voyez tous bien ? C'est des petites étoiles rouges. Ça, c'est des autocollants qui se le donnent quand ils sont super. Si on est super beau, qu'on a des super cheveux ou une super robe, ou alors qu'on fait des choses super bien, on chante super bien. T'as une superbe robe. Eh bien, t'aurais une belle gommette rouge, toute rouge. Ça, c'était quand on est super. Et il y a une deuxième sorte d'autocollant dans la boîte, j'ai dit. Hein. C'est des étoiles toutes moches, toutes grises. À quoi elles servent, celles-là ? C'est ça ! Elles servent à ceux qui sont pas beaux, que les autres trouvent pas beaux. Oh. Ça, ça sert à ceux qui pensent que tu n'es pas beau ou pas belle. Alors, ils se les collent aussi, partout. Ça, c'est quand t'es super. Ça, c'est quand les autres trouvent que t'es pas bien. Alors, il y a des marionnettes qui ont toutes des étoiles rouges, partout, partout, partout. Et puis, il y en a qui ont un peu des deux, parce qu'ils sont un peu bien, un peu pas bien. Et il y en a qui ont que des moches. Comme ça. Toutes des moches partout, ils sont couverts d'étoiles grises. Alors, je vous ai dit là tout à l'heure que j'allais vous raconter l'histoire de mon ami Punchinello. Vous allez voir. Punchinello. Allez, viens, Punchinello. Je crois qu'il a peur. Punchinello. Quoi ? Il a peur de vous ? Mais c'est des enfants, Punchinello. Quoi ? Il a jamais vu d'enfants ? Mais non, Punchinello, c'est pas des monstres, vous êtes des monstres ? Non. Oui ? Il va pas oser sortir si vous dites ça. Allez, viens, Punchinello, ils t'attendent. Regarde, ils sont gentils avec moi. Bah, Punchinello, regarde au moins, regarde, c'est des enfants. Tu vois, regarde. Ah oui, c'est des enfants. Bonjour. Il a déjà remarqué, regardez un petit peu. Qu'est-ce qu'il a, Punchinello ? Il a des étoiles partout. Toutes les... Il en a même une en dessous de ses jambes. Quoi ? Oh ! Il en a une même sur les fesses. Le pauvre ! Alors, Punchinello... Chut. Ah oui, il est un petit peu vieux, Punchinello. Alors regardez, il a plein d'étoiles partout. Ça veut dire que les autres marionnettes pensent qu'il est triste. C'est nul ? Ouais, ils trouvent ça nul. Ouais, c'est nul d'être tout gris comme ça. Mais Punchinello, il a essayé de les enlever, les petits autocollants, mais ça ne marche pas. Quand on reçoit un autocollant sur nous, on ne sait plus l'enlever. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un, Punchinello. Mais ça ne marche pas, il a essayé. Il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Lucia. Bonjour. Oh, attends, rhabille-toi un peu, parce que là, on a des invités quand même. Hein. Regardez, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, lui, il est comment ? Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Des étoiles. Et elle ? Mais comment c'est possible ? Normalement, toutes les marionnettes de ce village ont des étoiles, rouges ou grises, mais ils en ont tous. Mais comment ça se fait que t'as pas d'étoiles, toi ? Ah, ben moi, j'ai trouvé un secret. Oh, dis-le-moi. D'accord. Je suis montée voir là-bas, tout en haut de la colline, celui qui m'a créé. Il s'appelle Élie. Et quand j'ai été le voir et que j'ai compris des choses, mes étoiles sont tombées. T'as qu'à aller le voir. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? T'as qu'à aller, débrouille-toi. Et elle s'en est allée. Il était tout seul, Punchinello. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va aller voir son créateur, Élie, celui qui l'a fabriqué ? Il décide de monter. Il va voir son créateur. Et il arrive dans l'atelier du créateur. C'est quoi un atelier du créateur ? C'est l'endroit où il y a tous les outils de celui qui l'a fabriqué. Et il a peur. Alors il décide de repartir. Il fait marche arrière, il fait demi-tour pour partir le plus vite possible. Et là, il entend une grosse voix derrière lui lui dire « Bonjour, Punchinello ! Je suis contente de te voir. Ah »
Bonjour. Vous me connaissez? Vous connaissez mon nom? Ben évidemment, Punchinello. C'est moi qui t'ai fabriqué. Forcément, je te connais. Et puis, regarde, Punchinello. Oh, oh. J'ai l'impression que t'as pas eu des très bonnes notes, toi. Hein. Je vois que t'as plein d'étoiles. Toutes? Toutes grises. Mouais. Je sais. Mais j'ai essayé de faire des choses pour avoir des étoiles rouges, mais j'en ai jamais. C'est trop, trop nul. Et là, Ellie lui a dit quelque chose. Allez, à vous, je vous le dis. Il a dit, moi, je m'en fiche des étoiles que tu as sur toi. Elles pourraient être grises, elles peuvent être rouges, elles pourraient même être vertes, roses, multicolores. Moi, je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Ben oui, moi, je t'ai créé comme tu es. C'est moi qui ai décidé que tu sois comme ça. Et moi, je ne fais pas d'erreur, je ne me suis pas trompée. Je voulais que tu sois comme ça et je suis heureux que tu sois comme ça. Et tout ce qui compte, c'est que moi, je t'aime très fort. Et quand Punchinello a compris que ce qui comptait, c'était que celui qui l'a créé l'aime très fort et qu'il est très content de lui, les étoiles, hop, elles s'en vont toutes seules. Toutes. On essaye celle des fesses ? Allez, toi, tu tires celle des fesses ? Toi, tu tires celle-là ? Et toi, tu, vas-y, tu peux tirer celle-là en dessous. Punchinello... Ah ! Elle reste un peu accrochée, ça. Ouais, Punchinello a perdu toutes ses étoiles parce que ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent, c'est ce que Ellie, celui qui l'a créé, pense. Vous voulez que je vous dise un secret ? Est-ce que vous croyez que vous avez été créé par quelqu'un ? Par qui ? Dieu ! Dieu ! Et... Non, nous, c'est pas par Ellie qu'on a été créé, c'est par Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Comme Ellie, il aime très fort Punchinello, Dieu, il vous aime très fort. Il a voulu vous créer comme vous êtes. Toi, il voulait que tu sois comme ça. Toi, il voulait que tu sois comme ça. Toi, il voulait que tu sois comme ça. Il voulait tous que vous soyez comme vous êtes. Et il est très content de vous voir comme ça. Il est très heureux de vous savoir comme ça. Quoi? Ah oui. Vous, on s'en fiche maintenant de savoir ce que les autres pensent de vous. Ou parfois, vous-même, dans votre cœur, vous dites « Oh, moi, je suis trop nulle. Oh, moi, je ne sais pas faire ça. » Eh bien, Dieu, il vous aime comme vous êtes. Et c'est ça qui est très important. Oui? Je vais vous présenter un autre copain à moi. Regardez. Un énorme Punchinello. Regardez-le. Il arrive. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a encore plein d'étoiles grises. Lui, il n'a pas encore compris ce que nous, on a compris aujourd'hui. Que ce qui est important, c'est l'amour de celui qui nous a créés. D'accord? Il en a plein, 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 plein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? Je crois qu'il y a un problème avec mes cheveux. On va les enlever. On va les recouvrir avec des cœurs. Pourquoi des cœurs? Parce que c'est l'amour de celui qui l'a créé. On va aller lui dire tous ensemble que Dieu l'aime très fort. Ça vous va? Oui. Alors, après, on pourra aller voir les papas et les mamans quand on aura fini de faire ça. Et près de l'escalier là-bas, vous allez recevoir des petits dessins, avec, et là-bas aussi, regardez, avec des Punchinello, comme ça vous pourrez les colorier pendant la fin de cette matinée, d'accord? Maintenant, on va faire attention parce que, comme vous voyez, il y a le baptistère avec plein d'eau. Ce serait dommage qu'il y en ait un de vous qui aille faire un petit plongeon. Alors, vous venez, on va tous lui dire qu'on l'aime et que Dieu l'aime très fort et qu'il est très important pour Dieu. Attendez, attendez, un par un, il n'y a pas de souci. Attendez, stop! Regardez, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a plein d'amour de Dieu, vous allez tout savoir. Attendez! Voilà, voilà, tu peux lui dire que tu l'aimes, que Dieu l'aime très fort. Doucement, non. On recule un petit peu, voilà. On piétine pas ceux qui sont devant soi. Attends, attendez, attendez. Tiens, dites... Tenez. Vous pouvez retourner après de descendre. Voilà. Attendez, si vous ne laissez pas passer ceux qui sont devant pour sortir, vous ne pourrez pas arriver à Punchinello. C'est bien. Voilà. Attendez, on laisse sortir les autres. Tu peux sortir, mon grand. Sors.
Il colle pas ? Si, au milieu, tu vas voir. Tiens. Attendez, attendez, on laisse sortir les copains. Voilà. On peut dire à Punchinello à quel point Dieu l'aime. Et n'oubliez pas à quel point Dieu, il vous aime aussi. Attends, attends, tu en auras. Regarde, j'en ai des tonnes et des tonnes. Tu as mis ton cœur ? Tu as mis ton cœur, tu peux aller chez ta maman ou ton papa. Par ici. Attends, on va laisser sortir les copines. On laisse sortir les copines. Tu as mis ton cœur ? Non ? Et toi non plus ? D'accord, bah tu peux sortir. Voilà. Moi, je peux même pas sortir, là. T'as pas eu de cœur ? Voilà, vous pouvez leur dire... Oui, elle va avoir un cœur aussi. J'en ai des tonnes et des tonnes. Tiens. Tiens. Voilà. Tiens. Et toi, tu veux un cœur ? Oui. Tiens. Et toi, t'as mis ton cœur ? Oui ? Tout le monde a mis son cœur ? Moi, j'ai envie de quelque chose. Quoi ? Ah, regarde, c'est là. On les donne là en bas. Oui ? Oui, là-bas. Allez, sors. Descends. On verra après, Maya. T'as eu ton cœur aussi, toi ? Oh, ça va. Voilà. Tu peux aller en bas, je vais arriver. Ah bah il est beau Punchinello. Hein allez, on fait descendre. Vous venez ? Viens, viens. Oh, je ramasse les étoiles. Allez, on descend. Venez. Venez, venez. Oui, viens. Par la première. Au nom de l'Église de Collonges, je vais maintenant remettre d'abord à Myriam son certificat de baptême avec un texte qui a été choisi par son papa. Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Voici, Myriam, ton certificat et un cadeau de la part de l'Église. Je te fais la mise. Timéa, tu auras le même certificat, enfin un autre, la même copie. Le texte qui a été choisi par Gabi. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour moi et je suis dans la joie. Voici donc ton certificat, le cadeau de l'Église. Timéa et Myriam ont été baptisés devant vous ce matin. Il nous appartient maintenant à nous, membres de l'Église de Collonges, de les accepter au sein de notre communauté. Je demande donc à toutes les personnes qui appartiennent à l'Église de Collonges de manifester leur acceptation en levant la main. Vous voyez que, apparemment, vous êtes bien acceptés. J'espère que l'Église de Collonges, nous serons à vos côtés pour vous aider et pour vous soutenir. Mais ce n'est pas fini. Je crois qu'il y a les élèves du collège qui ont quelque chose pour vous. Bah, on voulait vous offrir ces quelques cadeaux de la part de la classe de 4e pour vous féliciter de votre engagement avec Dieu et de ce jour particulier qui est votre anniversaire. Vous pouvez vous faire la bise. Hein. Timéa et Myriam ont reçu encore un cadeau
tout à fait au début du service. Parce que le prélude qui a été joué par le groupe de musiciens l'a joué spécialement pour Myriam et Timéa. Les arrangements ont été faits par les musiciens eux-mêmes et les musiciens ont été choisis par rapport, il me semble, à la proximité des deux demoiselles. Donc c'était pour vous. Dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 et 24, nous lisons « Le Seigneur Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Chez le peuple hébreu, comme chez de nombreux peuples, le pain était la base de la nourriture et de l'alimentation. La survie dépendait de la capacité à récolter de quoi en produire. Le pain était donc synonyme de vie, et cela peu importe la classe sociale. Dans Jean 6, les versets 33 et 35, Jésus dit « Le pain de vie vient de Dieu, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. » Par ses paroles et par la scène, Jésus nous invite à accepter la vie qu'il nous donne. Cela sous-entend de le prendre comme sauveur et Seigneur, qu'il vive en nous et nous en lui. Cet acte qu'est la scène est un rappel de sa victoire sur la mort, de son amour pour nous et la démonstration de notre reconnaissance envers lui. La célébration de la scène a une dimension aussi bien personnelle que communautaire. L'Église étant le corps du Christ, comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Romains, nous devons être unis pour cette célébration. Par conséquent, frères et sœurs, faisons ceci en mémoire de la victoire de Jésus sur la mort et ensemble, disons-lui merci du fait qu'il nous en fasse bénéficier dans son amour. Je vous invite à rester assis pour la prière. Prions. Seigneur, merci pour le pain de tous les jours qui permet notre vie ici sur terre. Merci pour ce pain de vie venant du ciel qui nous apporte la paix, le salut et la vie éternelle. Je te prie de bénir tout particulièrement ce pain. Par le nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu 26, les versets 27 à 30, à 29 du moins, il est dit, « Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. »
chaque fois que vous en boirez, car c'est ma mort que vous annoncez jusqu'à ce que je revienne. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Prions. Seigneur, ce symbole de la coupe qui nous rappelle ce sacrifice et cette nouvelle alliance que tu as faite pour nous, et que nous puissions être reconnaissants pour toutes ces choses, et que nous puissions en boire pour nous rappeler ta mort et jusqu'à ton retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au moment de la consommation des symboles. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir prendre un morceau de pain et également un verre de jus de raisin. Pour ce faire, nous vous invitons à venir par le côté Salève et à repartir à votre place par le côté Genève. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Par le côté Genève, vous venez et vous repartez par le côté Salève, c'est ça. Nous attendrons que tout le monde soit servi afin de passer à la consommation ensemble. Concernant le pain, vous êtes invité à choisir le morceau qui vous convient. Il y a également du pain sans gluten pour ceux qui le désirent en bout de table. Et des sacs poubelles seront mis à la sortie où vous pourrez déposer les gobelets en plastique. Je vous invite donc à venir vous servir.
prenant ce pain, symbole du corps du Christ. Prenant ce vin, symbole du sang du Christ. Un garçon de 8 ans marchait au bord d'une plage. Il a remarqué quelques étoiles de mer qui sont échouées. Il commença à les ramasser. Il les prenait une par une et les mettait dans l'eau. Un monsieur qui observait cette scène disait, il s'approchait même de lui, lui disait, « Que fais-tu ?» Il lui dit, « Monsieur, les étoiles, elles mourront. » Et cet homme lui dit, « Mais ce que tu fais est inutile. La plage s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. » Alors, l'enfant lui dit, en regardant sa main, la dernière étoile, au moins, celle-ci est sauvée. Le moment est arrivé pour nous de manifester notre reconnaissance envers ce Dieu, le Dieu qui nous a sauvés, en lui donnant nos dîmes et nos offrandes. Et je demanderai au diacre de passer dans les rangs afin de les récolter.
Merci Seigneur pour ces dons. Nous voulons que tu puisses permettre à ceux qui ont la charge de les gérer, puissent le faire selon ta volonté. Que tu puisses bénir tout en chacun, afin que nous puissions être généreux dans notre vie et que nous puissions être reconnaissants. Vaste est la mission, mais que chacun fasse sa part. Nous t'en prions, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Gardons donc cette espérance et maintenons notre confiance dans le retour de notre Seigneur. Ensemble, chantons-le. Il y a des sabbats comme celui-ci qui nous rappellent combien il est important et comment il est bon pour nous de vivre dans la communion fraternelle. Recevons, cher ami, la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.
Les seigneurs. Voilà, c'est celui qui voulait faire la parole.